Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aventure. Aujourd'hui, je vais vous faire visiter deux bunkers de la Seconde Guerre mondiale qui a été occupé par les Allemands, par les soldats allemands pendant l'occupation. Alors, ce bunker-là, il y en a deux à visiter, ils sont situés à Agde, au niveau des Tamaricières. Alors, vous pouvez le visiter, l'entrée est gratuite et les deux bunkers ont été rénovés pour faire une exposition. Voilà, donc je vous laisse la surprise et puis peut-être qu'il y a des choses intéressantes à voir et puis voilà quoi, on va revenir un peu dans l'histoire du passé et puis place au bunker. Thank you.
Et bien voilà, ça y est, la vidéo est donc terminée. J'espère que ça vous a plu. J'ai passé en tout cas un très bon moment, puis j'ai appris des choses qui sont intéressantes. Moi, il y a des choses qui m'ont beaucoup intéressé. C'était surtout les bunkers, ça m'a beaucoup intéressé, comment c'était fabriqué, comment... Voilà, donc les bunkers, il faut savoir que l'origine, c'est un endroit aussi qui pourrait être un lieu stratégique à l'époque. Les soldats allemands avaient entouré la mer Méditerranée et aussi la côte atlantique pour éviter toute intrusion de d'autres pays pour libérer la France. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des bunkers situés au bord de la mer, comme par exemple, vous pouvez le voir le plus souvent, comme il y a eu le débarquement en Normandie. Il y a énormément de bunkers. Alors il faut savoir qu'il y a des bunkers qui peuvent être explosés. Donc si un jour vous voyez des bunkers qui sont complètement détruits, c'est sans doute les Allemands pour éviter, en fait, ils avaient fait exploser les bunkers pour éviter que par exemple l'armée française ou l'armée britannique ou l'armée américaine, peu importe, viennent récupérer les munitions des Allemands pour s'en servir. Voilà. En tout cas, pour celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo, je vous remercie. Moi, j'ai passé un très bon moment. Et même, il y avait une petite télé où on pouvait regarder un petit documentaire. Et il y avait même Charles de Gaulle. Alors, je l'ai de suite reconnu à la voix. On dit « Française, Français ». Voilà, vous voyez, parce qu'en fait, le général Charles de Gaulle parlait, je trouve, parlait lentement. Mais sa voix était apaisante. Je trouve que sa voix est... Vraiment, on a envie de l'entendre, quoi. Et les gens, ils écoutaient ça pendant des heures à la radio, en suivant le déroulé de la guerre, quoi. Parce que les gens, ils s'inquiétaient, ils disaient, est-ce qu'on va gagner? Enfin, voilà, quoi. Les gens, ils s'informaient. Et il faut savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, au niveau industrie, au niveau armement, ça s'est évolué. Donc, la guerre a fait des... Bon, c'est vrai que ça a été quand même la pire des guerres. Il faut quand même... l'avouer quand même, il y a eu des millions et des millions de personnes qui ont perdu leur vie, et aussi des millions qui ont perdu leur vie pour défendre la liberté de la France, et d'ailleurs rendons leur hommage à ces soldats. Voilà, donc tous les soldats qui sont venus, il y a eu les Anglais, il y a eu les Américains, il y a eu l'armée marocaine, il y a eu aussi quelques armées de l'Algérie, il y a eu l'armée africaine, il y a aussi eu l'armée rouge, les Russes. Mais voilà, en tout cas, voilà, je tenais à faire un petit temps de parole. Je vous remercie, je vous souhaite en tout cas une bonne journée. N'hésitez pas à rajouter des pouces bleus, commenter, partager, abonnez-vous. Et merci, merci beaucoup. Je vous dis à bientôt.